Josette, bonsoir. Que se passe-t-il ici ce soir? Eh bien, ce soir, l'action de sang sera les sapins de Noël, qui sont le seul moyen de subsistance de l'association et qui permet de continuer notre action dans les écoles avec des psychologues pour donner un petit peu aux enfants un petit peu de sens critique et de bon sens vis-à-vis de toutes ces choses. Internet de la façon dont Internet, comment dirais-je, règle notre vie actuellement. Combien de sapins ce soir? 33. I'm always traveling since 35 years and preparing a new travel now, a new expedition around the world to commemorate the first circumnavigation accomplished by Magellan and Elcano back in 1519. For me it was a passion since I was 16 actually, I love it, it's my favorite way of navigating. I've been doing different expeditions on the past 40 years now, and this around the world trip is to commemorate the first circumnavigation. Next year is 500 years, 500 years ago, and it will be amazing as well to try to do it again with a new craft but smaller, now 500 years later. Are you going to buy a tree? Maybe. Let's see what happens, because now it's beginning the party. See you. Thank you. Thank you. Allora, io mi chiamo Silvana Ballardini, ho fatto questa installazione di questi due alberi che sono in metallo e c'è una tecnologia dietro perché sono tutti tagliati al laser e hanno il doppio taglio laser e praticamente sono tutti rifiniti a un albero decorativo e tecnologico. Si chiamano Les Sapins du Cœur e vengono accompagnati da un cuore in cristallo porta profumi. Tu as découvert que les océans étaient vraiment abîmés par la pollution. Oui, ça fait surtout le plastique, la pêche illégale et tout qui est les déchets de pétrole, tout ça. Mais surtout le plastique. Le plastique, c'est le pire, c'est l'horreur. Une charité pour protéger les enfants d'Internet. Voilà, donc c'est important et ça. Et voilà, c'est une très belle initiative. Et vous n'avez pas encore choisi votre sapin? J'en ai choisi plusieurs, on verra bien. On verra bien, moi, je sais que vous êtes une amoureuse des belles choses. Voilà. Le top des top. Alberi di Natale, les arbres de Noël. Bellissimi. Io ho preparato un albero ecologico, fatto da un artigiano di Bergamo, che sono molto conosciuto perché fa in tutto il mondo. Cattellani e Smith hanno fatto una scultura di un atleta e in alto una palla rotonda, bellissima. Che il principe ha molto amato. Vedo che ci sono degli alberi bellissimi. Why is it so special?
better than anywhere else. Did you buy an oak tree? Free. La soirée de Sapin de Noël. Nous sommes à Monaco, à l'hôtel de Paris. È la serata dei fini di Natale che ogni anno si celebra a Monaco. La fondazione che gestisce questo segmento di attività, presieduta da Luisa e di Susanna Duarte. È una serata di beneficenza molto simpatica, tutto il ricavato è esclusivamente beneficenza e ad aiuto delle opere veramente importanti. Oggi rappresento la Belgique ce soir, voilà. E la Pologne, l'Italia, voilà. L'albero che vi piaceva? L'albero Kinder. Questo. Lei non ha visto le figlie facevano così? Sì, l'ho visto, ha avuto un gran successo. Ma abbiamo il nostro albero anche noi. Esatto. Ma con Kinder? No, 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 non con Kinder. Giuseppe Trombi. Giuseppe, ce soir il s'est passé quelque chose de tout à fait exceptionnel. In English or in French? Je soutiens cette association Action Innocence Monaco. Je suis architecte décorateur à Monaco depuis plus de 35 ans avec Patricia Rossino. J'ai acheté deux sapins ce soir parce que je trouve la cause d'Innocence Monaco très importante. Je trouve que c'est un œuvre d'art. Je les trouve d'une classe incroyable au niveau de proportions, d'harmonie, de couleurs. Asiatique, ça peut être un côté oriental. J'adore pour les couleurs et pour la pureté et l'harmonie. Ça me rappelle quelque chose de notre monde. Je l'ai fabriqué pour une chère copine, qui c'est Liliane, manufacturière de porcelaine de Monaco. Il n'y a rien de spécial, mais il y a plein de cadeaux intéressants avec des brands très connus comme Tiffany, Gucci, Bottega Veneta, Louisette Olivier Susson, qui est un ami de plus de 20 ans, que j'adore, et bien sûr aussi à Action Innocent Monaco, qui est une association que je suis depuis plusieurs années.